1974, les producteurs de bovins se sont regroupés, particulièrement les producteurs de vaches veaux à cette époque-là et les engraisseurs se sont regroupés puis se sont dit « on n'a pas le choix, il faut travailler ensemble si on veut s'en sortir ». Je m'appelle Gaétan Bélanger. J'ai travaillé à la Fédération des producteurs de bovins pendant 33 ans. Il faut se ramener dans le contexte des années 70, où les prix de marché étaient vraiment très, très bas. On se souvient même peut-être d'une période là, où les producteurs étaient vraiment excédés. Les bovins se donnaient sur le marché. C'est à cette époque-là qu'on a vu là, beaucoup d'animaux qui étaient abattus à la ferme, des veaux pendus au bout des pelles. Alors, le contexte était extrêmement difficile et ça a été un des éléments déclencheurs pour favoriser le regroupement des producteurs pour se créer éventuellement une fédération. Pendant les premières années, compte tenu du contexte économique, le travail des administrateurs était essentiellement d'aller chercher des subventions pour pouvoir passer au travers. Le premier régime d'assurance stabilisation a été mis en place en 1976 et dès 1978, les producteurs de bouvillons avaient leur propre régime. Puis à partir des années 80, le secteur du veau lourd. Par contre, des plans conjoints avec plusieurs produits, ça n'existait pas à ce moment-là. Alors, il fallait trouver une façon d'adapter la formule des plans conjoints pour répondre aux besoins spécifiques de chacun de ces groupes. Et c'est là que l'idée est venue, mais ça a pris quelques années à développer ce concept-là, d'avoir non seulement un office des producteurs, donc que le conseil d'administration soit l'office des producteurs comme dans les autres secteurs, mais d'avoir en dessous de ça des comités de mise en marché qui sont composés de producteurs de chacun de ces secteurs de production. Donc, le conseil d'administration avait les pouvoirs d'adopter les règlements et de les soumettre à la régie. Mais le plan conjoint prévoyait que ces comités-là devaient eux aussi adopter les règlements au préalable. Mais c'est aussi de cette manière-là que ça a permis de convaincre chacun de ces secteurs-là d'adhérer au plan conjoint. C'était une condition sine qua non, sinon on n'aurait jamais eu dans une fédération avec autant de producteurs, 28 000 producteurs de bovins qui existaient à ce moment-là. Et le défi pour la fédération, c'était de faire sortir le vote. Plus de 78 % des votants ont voté à faveur de la mise en place du plan conjoint des producteurs de bovins du Québec. Dès que le plan conjoint a été mis en place, la première action à peu près qui a été posée par la Fédération, c'est l'accès à l'information. C'est un problème. C'était souvent l'acheteur qui informait le producteur du prix du marché. En partant, les producteurs, ce qu'ils avaient besoin pour faire leur transaction, la première chose, c'est de savoir c'est quoi le prix du marché aujourd'hui. Mais par la suite, une des préoccupations des producteurs, c'était dans les encans, qui contrôle? Est-ce que le poids de ma vache, c'est vraiment le poids réel ou c'est un poids artificiel? Même chose dans les abattoirs. Les premières conventions qu'on a conclues à la Fédération, ça a été justement concernant le contrôle de la pesée dans les encans, le contrôle de la pesée dans les abattoirs. La Fédération, grâce au plan conjoint, grâce au pouvoir de la loi sur la mise en marché, on est les seuls au Canada qui sommes en mesure de rentrer dans les abattoirs et d'aller voir qu'est-ce qui se passe, d'aller inspecter, d'aller contrôler et d'aller changer certaines procédures à l'intérieur de l'abattoir. Les négociations avec les acheteurs étaient vraiment pas faciles. Il y a des employés qui ont eu des menaces à l'époque. On a déjà vu des guns sur les bureaux.
Les premiers élus là, à la tête de la Fédération, ils ont payé cher leurs investissements dans la Fédération. On a vu des producteurs d'Acti qui devenaient présidents du comité de mise en marché. Il n'y avait plus personne qui voulait acheter tes bovins. Mais avec le temps, les choses se sont placées. Je pense que tout le monde a compris qu'on avait intérêt à travailler ensemble. Alors là, on était rendu à une autre étape. C'était de commencer à réglementer la vente des bovins. Donc, regrouper l'offre et vendre les bovins de façon plus ordonnée, plus efficace. Le premier règlement de mise en marché qu'on a mis en place, qu'on appelait nous autres une agence de vente, c'était un règlement qui fait comme ce qu'on appelle une mise en vente en commun. L'objectif là-dedans, c'était assez simple. Le jeu des acheteurs, c'est de diviser l'offre. Si on veut qu'ils soient en compétition, mais la seule façon de le faire, c'est que nous autres, comme producteurs, on regroupe l'ensemble des bovins et on offre les bovins en vente de façon regroupée. Donc, c'est comme ça qu'on peut établir un véritable jeu d'offres et de demandes et de découvrir c'est quoi le prix du marché aujourd'hui pour nos bovins. La mise en place d'un règlement de mise en marché, c'est clair que ça dérange du monde. En fait, on change les règles du jeu. C'est contraignant pour les producteurs. C'est contraignant pour les acheteurs, mais à quelque part, c'est la bonne façon. Il faut mettre nos acheteurs en compétition, il faut se regrouper. Dans le secteur du bovin, particulièrement dans les années 80, il y a eu beaucoup de faillites d'encans et d'abattoirs. Et donc, on s'est retrouvé avec des pertes pour les producteurs impayés de plusieurs millions de dollars. Ça n'a aucun sens. Tu produis un animal pendant des années que tu as nourri et ainsi de suite, puis dans l'espace de quelques minutes, tu as tout perdu. Il fallait essayer de trouver là quelle solution, qu'est-ce qu'on peut faire. La première action, ça a été de demander des cautions aux acheteurs. On a fait changer même la loi sur la mise en marché en 1989 pour être en mesure de créer un fonds de garantie de paiement qui pourrait compenser. Advenant que les cautions des acheteurs soient insuffisantes, le fonds compensait pour s'assurer que le producteur, lui, ce qu'il avait vendu, c'est 100 % de son bovin, bien, il voulait être payé 100 % de son bovin. Depuis qu'on a mis en place ce programme-là, il n'y a jamais un producteur qui a perdu des sommes suite à la vente de ses bovins. Le Congrès spécial du PA de 2004 a amené l'idée qu'on soit de plus en plus capable d'aller chercher plus d'argent possible du marché. Donc, dans notre secteur de production, on était déjà dans cette réflexion-là et ça a donné un élan aux réflexions qui ont eu lieu à la Fédération. Mon nom est Michel Dessureau. J'ai été président de la Fédération des producteurs de bovins pendant 18 ans. Un pot de cornichon comme ça, là, ça se vend 2,99$. Savez-vous comment il revient au producteur agricole dans ce 2,99$-là? 12 cents et demi. J'enlève les cocombes du pot. 12 cents et demi. Y a-t-il quelqu'un qui paierait 2,86$ pour le pot sans les cocombes? C'était l'époque où on parlait plus de la fameuse chaîne de valeur. Plus on investissait dans la chaîne de valeur, plus on avait des chances qu'il y ait de l'argent qui reste à la production. C'était un des grands objectifs aussi de la rationalisation des encans qui a eu lieu à cette époque. Réduire le nombre d'encans parce que c'était plus viable. Et plus l'encan était petit, moins les prix étaient à la hauteur.
Et on voyait à l'époque aussi les difficultés de l'action de certains commerçants, certains intervenants dans le champ qui prenaient une cote sur le produit. Et c'est plutôt là, on appelle ça de l'ordre dans la mise en marché, c'est s'assurer que l'acheteur final, c'est lui qui achète l'animal. Pour les producteurs, toute cette réorganisation-là permet aux producteurs à maintenir un réseau de commercialisation disponible à grandeur du Québec. C'était la réflexion à l'époque de dire plus on va intervenir, plus on va être des intervenants majeurs dans la chaîne de valeur, plus on a des chances que le dollar production soit au rendez-vous. Mon nom, c'est Claude Viel. J'ai été président des producteurs de bovins de 2012 à 2020. Nos producteurs disaient on doit importer, puis les prix ne sont pas à notre goût. Alors, pourquoi qu'on ne pourrait pas faire monter les prix? Il y a toujours la problématique du marché mondial et n'importe qui peut livrer un produit au Québec en bas du prix qu'on est capable de le faire si on le fait à petite échelle. Quand les frontières ont fermé à cause de la crise USB, le prix a complètement tombé à terre. Les producteurs ont commencé à demander à la Fédération d'agir et à un moment donné, il s'est organisé des manifestations. Et il commençait à avoir des risques de dérapage. Quand la crise est arrivée, il y avait déjà des réflexions d'amorcer à savoir si on devait s'impliquer. Ce qui a déclenché l'achat de 2 abattoirs par les PBQ. C'était pas le premier souhait du conseil d'administration, c'était pas le premier souhait des producteurs, mais ça a été un choix. Fallait tenter quelque chose pour au moins espérer améliorer. Plusieurs dossiers, les producteurs, quand ça va mal, quand il y a une problématique quelconque, oui, ils se tournent vers la Fédération, ils comprennent que seuls, on va aller plus vite, mais ensemble, on va aller plus loin. Ça, c'est clair, ils ont compris ça aussi. Malgré qu'ils l'oublient souvent, quand ça va mal, ils s'en rappellent. Les producteurs de bovins du Québec représentent tous les producteurs de bovins. On a la force de notre nom, on est une dizaine de milliers de producteurs et productrices agricoles. C'est une force quand on rencontre les médias, les gouvernements, parce qu'on parle d'une seule voix. C'est certain que c'est comme d'une famille, là. C'est pas toujours facile de s'entendre, mais une fois qu'on s'est entendu, c'est là qu'on est capable de défendre mieux nos dossiers. Je m'appelle Jean-Thomas Maltais et je suis président des producteurs de bovins du Québec. Le plan conjoint, c'est un outil qu'on peut faire évoluer dans le temps. Il faut l'améliorer sans cesse. On est parti d'un point, puis avec les années, d'année en année, on améliore des points, on change des choses, puis il faut s'adapter au marché pour une nouvelle condition. C'est tellement important que les producteurs s'impliquent dans les organisations. C'est là qu'on voit toutes les idées partent. Puis les producteurs de bovins dans le plan conjoint, on n'est pas fermé à aucune idée. C'est important de discuter, puis à tous les niveaux, là, autant des assemblées régionales que des assemblées de cuisine en producteurs. Tout le monde est rejoignable. On peut appeler les présidents de région, les représentants de comités de mise en marché. Puis c'est là qu'on réussit à trouver des solutions pour améliorer le sort de toute la production.
Cette année, on souligne le 40e anniversaire du plan conjoint. Ça fait 40 ans qu'il y a des producteurs puis des productrices qui s'investissent. Ils investissent tout leur temps. C'est pas toujours facile, je vais vous dire, de quitter la ferme puis d'aller faire des rencontres. Si on n'avait pas de plan conjoint, on pourrait dire, ben là, on n'a pas de plan conjoint, il faudrait en créer un, ça serait compliqué, puis c'est pas facile. Mais maintenant, aujourd'hui, on en a un, il faut juste être capable de s'en servir, puis de voir tout ce que ça a fait dans le passé, puis tout ce que ça peut faire dans le futur également.